Faut laisser couler et puis hop, après, voilà. Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, c'est le chant du silo qui subit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Il pleuvait beaucoup ce jour-là, heureusement on avait des capuches, et surtout des pochons solides. Là-bas les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu. Il y avait plus qu'à s'y mettre pour assurer la cueillette. Mangez-moi, c'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Est-ce que c'est un bon? Mais non, c'est pas un bon, car y a pas de téton. Et puis il est trop plat, il a pas la bonne couleur, ne nous décourageons pas. Ouvrons les oreilles et Mangez-moi, c'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Au toit tu marches comme un canard, mais c'est pour mieux le voir. Oh putain, j'ai mal au dos, il faudrait un détecteur. Et sûrement qu'ils ont tout raflé. Ce coin-là c'est sûr, il est connu. Putain franchement, comment veux-tu? Maintenant il est trop tard, on est bien avancé, on a les pieds tout mouillés. Mangez-moi. Plutôt que de m'écraser, pourquoi ne pas me manger? Un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Le champ était humide et suffisamment facile. C'était le bon moment pour aller cueillir les champignons. Mangez-moi. C'est le chant du silo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Mangez-moi, des champignons, 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 des